Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300 euros pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications. Pour ne louper aucune de mes vidéos, faudra liker mes vidéos, faudra commenter. Et surtout, le plus important les potos, faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le Master Kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swarkulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2 sur le nouveau DLC 2 de Call of Duty qui s'appelle la map zombie qui s'appelle le trône sombre, voilà. Alors le glitch c'est tout simple, il se passe ici, donc vous pouvez voir devant le théâtre et devant le musée. Ici en fait vous avez une plaque pour aller vers le spawn, donc on va l'utiliser, hop, donc vous marchez dessus, ça vous fait tomber. Donc le glitch consiste à se mettre dans le coin de cette chute, donc à droite, et vous allez voir que les zombies vont pile up. Donc ce glitch est faisable en solo, à deux ça passe mais pas réellement, ça passe pas vraiment, donc vaut mieux le faire en solo. Donc vous allez ici, vous allez tout doucement, vous allez un peu vers la gauche. Attendez, parce que alors je vais un peu éloigner les zombies et je vais y retourner, vous allez voir. Donc voilà, regardez, j'y retourne, donc vous y allez même debout, hein. Vous y allez franco, vous allez à... Dès que vous sentez que vous avancez, vous allez sur la droite. Donc là, j'ai raté. On va recommencer. Voilà, 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 voilà. C'est bon, j'y suis. Nice. Donc regardez maintenant. Tous les zombies vont piloter derrière moi. Donc là, il y en a beaucoup, hein, comme je vous l'avais dit. Normalement, ça fonctionne. Vous n'allez pas vous faire toucher. Donc là, regardez, il n'y a aucun zombie qui va me faire toucher. Mais si vous cumulez des vuslings, les vuslings risquent de vous toucher. Et si vous êtes en train d'essayer de le faire en même temps qu'il y a un zombie comme ça derrière vous qui vous court après, ben, vous allez galérer. Donc vous avez bien vu, hein, il faut juste longer bien à droite. Donc après, il y a une deuxième personne qui peut se mettre là. Vous essayez de vous mettre un maximum en arrière. Donc jusqu'ici, si vous atteignez ce morceau de bois là, ça ne fonctionnera pas, hein. Vous allez tomber. Donc essayez vraiment d'y aller tout doucement, tranquillement. Voilà, là je suis au maximum. Donc regardez, je suis au maximum. Il y en a même qui spawnent d'en bas. Donc là vous pouvez pas descendre plus. Il y en a en haut qui sont totalement figés. Donc voilà, j'espère que ce petit glitch vous aura plu. Alors je tiens à faire une grosse dédicace à JuggernogHD qui est venu sur notre live pour nous tenir au courant du glitch. Donc grosse dédicace à lui. Je sais pas si c'est la source réelle, mais je le mettrai quand même en description et je mettrai la source réelle quand je l'aurai en description aussi. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont liké, qui ont partagé et qui sont abonnés. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos de photos. Allez, ciao, peace. Yummy, bruh.